stop waiting another day for the captain of a... Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes tous en bonne santé, c'est ça l'essentiel. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est les héros en captivité. C'est un thème qui est assez récurrent dans la romance, que ce soit la romance historique, contemporaine, la dark romance ou la romance fantastique. Aujourd'hui, je vous ai fait une très belle sélection dans ce sens. Il y aura bien sûr des histoires assez classiques, d'autres qui sortent de l'ordinaire et qui démontrent que, quelles que soient les difficultés et les embûches qu'on peut avoir dans notre vie, et il y a certains couples et certaines personnes qui arrivent à s'en sortir avec brio. Et je vous invite aussi à m'envoyer dans les commentaires vos plus belles histoires, vos plus belles romances qui parlent de captivité. Et je voulais seulement préciser qu'il y a certaines romances que je vais présenter maintenant, que je vais étaler, je vais en parler un peu plus en profondeur. Par contre, d'autres, je vais seulement passer dessus parce que je les ai tellement présentées à chaque fois. Et donc, je vais seulement les citer. Mais ça ne veut pas dire que ce ne sont pas parmi mes préférés. C'est seulement que je veux vous présenter à chaque fois de nouvelles choses, de nouvelles romances et de nouveaux concepts. Je vais commencer par... un classique dans le genre, c'est Le Royaume des Rêves, Kingdom of Dreams, de Judith McNoid, avec les héros Royce et Jennifer. C'est l'histoire du duc de Claymore, ou bien Royce Westmoreland, qui va kidnapper la fille du clan ennemi, qui est Jennifer Merrick, dans le but, bien sûr, de trouver une solution dans les Highlands. Et bien sûr, il va y avoir... une histoire passionnée, passionnante aussi. Et on va voir que le destin va tout faire pour rassembler ces deux personnes. Il va être cruel au début, mais après l'histoire est superbe. Je passe maintenant à de la dark romance avec Still Beating de Jennifer Hartmann, que je vous ai présenté il y a plusieurs mois de cela. C'est vrai que je l'ai lu en anglais. Maintenant il est traduit, alors courez, allez l'acheter. Allez le lire, c'est un livre superbe, extraordinaire. L'histoire sort de l'ordinaire et puis la fin est sublime. C'est l'histoire de Cora qui sort d'une soirée un peu arrosée et donc elle se retrouve sans portefeuille et sans sac. Donc elle est obligée de faire appel à Dean, le fiancé de sa sœur, qu'elle n'aime pas beaucoup. Et donc elle se retrouve enchaînée dans le sous-sol d'un homme avec Dean et ils ont été kidnappés. Ils vont se retrouver tous les deux... enchaînés dans une cave face à un psychopathe et ils n'ont d'autre choix que de se supporter, de se soutenir dans cette terrible épreuve. Et Dean va alors se montrer particulièrement bienveillant envers elle et tous les deux feront quelques efforts pour s'entendre. C'est une dark romance excellente parce qu'on va voir que dans cette cave, les sentiments vont radicalement changer. Face à toutes ces épreuves, la haine va se transformer en un sentiment d'amour intense. Cette romance est divisée en trois parties. La première partie, c'est bien sûr, c'est le rapt, c'est la séquestration, c'est tout ce qui va se passer à l'intérieur de cette cave. Et bien sûr, c'est la partie la plus difficile, les scènes sont un peu dures, et donc c'est pour quand même des lecteurs assez avertis. La seconde partie, c'est la libération. Comment ils vont faire, comment ils vont sortir, comment ils vont faire face à ce qu'ils ont vécu. Et ils vont essayer de réapprendre à vivre. Et la troisième partie du livre, moi je trouve que c'est symboliquement l'explication du titre du livre, Still Beating. Ça veut dire que ça continue à battre, que la vie continue, le cœur bat encore. Et ces deux-là vont essayer de créer une certaine ébauche de vie sublime pour leur avenir. Moi, je ne vais pas dire plus que ça. Je peux vous dire seulement lisez Still Beating de Jennifer Hartmann. C'est un gros coup de cœur pour moi et ce sera le vôtre aussi.
Je passe maintenant à la superbe Lauren Heath avec le dernier fils du duc, qui est le tome 3 de la série Les Pembroke. C'est l'histoire de Evelyn, qui est une enfant illégitime, mais elle a toujours été choyée par son père, le comte de Wortham. À sa mort, elle se retrouve à la merci de son frère aîné, Geoffrey, qui la déteste et il va vouloir se débarrasser d'elle au plus vite. Et donc, il n'hésitera pas à proposer sa virginité à l'un de ses créanciers. Et donc, Evelyn est expédiée chez Lord Ralph Easton, un homme solitaire, cynique et insensible, qui n'attend d'elle que les faveurs d'une maîtresse. Et donc, cet homme au cœur meurtri ne laissera personne l'émouvoir. Et il va tout faire pour séquestrer Evelyn. Mais au début, ça va être une séquestration assez dure, mais qui va évoluer avec le temps. L'histoire est très, très belle. Bien sûr, on a l'habitude avec Lauren Heath, avec des histoires magnifiques, superbes, qui se finissent de manière vraiment théâtrale. Et donc, allez-y, lisez-le. Vous n'allez pas être déçus. Je passe maintenant à de la mafia romance avec Chris Lecole. Et le maître, c'est le tome 2 de la série Mafia et Séduction. C'est l'histoire de Lucia qui est en fuite, poursuivie par un mari qui est complètement fou. Elle va changer son nom, et elle va enchaîner des petits boulots, mais elle a toujours besoin d'argent, donc elle va se résoudre à offrir ses services comme escort girl. Et son premier client n'est autre que Maximilian Sevastayan. Et c'est un politicien russe, séduisant mais glacial. Et il est connu pour avoir des désirs assez exigeants, donc leur rencontre est explosive. Leur arrangement, normalement, est seulement pour une seule nuit, mais Lucia va découvrir que Maximilian ne va pas accepter une seule nuit et ça va être un peu dur de s'en accommoder. J'ai donné au départ un 3 sur 5 à cette romance, mais je trouve qu'elle colle parfaitement au thème, les héros en captivité ou en fuite. Je passe maintenant à la seule et unique Julie Garwood avec La Splendeur de l'Honneur. C'est l'histoire de Lady Madeleine qui, après une enfance recluse et solitaire, se retrouve à la merci des caprices de son cruel demi-frère, le baron de Loudon. Jusqu'au jour où le terrible Duncan de Wexton, le loup, attaque sa forteresse, la brûle et emporte avec lui Madeleine en guise de trophée. Et dès l'instant où ils posent les yeux l'un sur l'autre, c'est une autre conquête qui va commencer, une conquête à la Garwood, comme vous savez, que j'adore. Donc je vous conseille vraiment de lire La Splendeur de l'Honneur, c'est une histoire magnifique. Je passe maintenant à la mafia romance avec Cora Riley et La Chronique de la Camorra, avec le tome 3, Twisted Pride. C'est l'histoire de Remo Falcone qui est un capot de la Camorra. Il y a eu certaines exactions et donc Remo est en représailles. D'un autre côté, Serafina est la nièce du patron de la Camorra aussi et sa main est promise en mariage depuis des années. Elle va être kidnappée dans sa robe de mariée alors qu'elle se rendait à l'église par Remo. Donc Serafina se rend vite compte qu'elle ne peut espérer se sauver, pourtant, même entre les mains de l'homme le plus cruel qu'elle connaisse, elle est déterminée à s'accrocher à sa fierté. Et Remo va comprendre très très vite que la femme à sa merci n'est peut-être pas aussi facile à briser qu'il le pensait. Donc Remo est un homme impitoyable dans sa quête pour détruire ses adversaires. Et Serafina est déterminée aussi à mettre Remo, ce monstre mafieux, à genoux. J'ai beaucoup aimé ma lecture. C'est vraiment une histoire complexe, une histoire d'amour assez spéciale. Et c'est une belle histoire d'amour dans un environnement mafieux très sombre. Je passe à la romance historique avec la splendide Julia Quinn, avec l'autre Mademoiselle Bridgerton, en anglais The Other Miss Bridgerton. Et les héros sont Andrew et Poppy. Donc Poppy Bridgerton ne veut pas épouser n'importe quel prétendant si l'intelligence et les intérêts ne correspondent pas aux siens. Au cours d'une visite dans le Dorset, Poppy est agréablement surprise de découvrir une cachette de contrebandier dans une grotte.
Son plaisir va être de courte durée parce qu'elle est enlevée par deux pirates qui l'emmènent à bord d'un navire, la laissent attachée et bâillonnée sur le lit du capitaine, considérée dans la bonne société comme un vaurien et un corsaire téméraire. C'est le capitaine Andrew James Rokesby qui transporte en réalité des biens et documents essentiels pour le compte du gouvernement britannique. Il est étonné de trouver cette jeune femme dans sa cabine parce qu'il croit que c'est son imagination qui lui joue des tours. Il a une mission pour le gouvernement, il ne peut pas faire machine arrière. Et en plus, il vient d'apprendre que c'est une Bridgerton, donc il sait qu'il devra probablement l'épouser pour éviter le scandale. J'ai vraiment aimé ma lecture de cette romance de Julia Quinn parce qu'il y a toujours cette délicatesse dans ses livres, une certaine sensualité. Elle sort des sentiers battus avec ce côté aventure et ça colle aussi à notre thème. Pourquoi pas? Allez-y, lisez-le. On passe maintenant à une série de Anna Zeres, L'Enlèvement. C'est de la dark romance, c'est une série qui comporte trois tomes. C'est l'histoire d'une lycéenne, Nora, qui va faire une mauvaise rencontre et qui va bouleverser sa vie. Elle fait la connaissance de Julian un soir et puis il va faire une fixation sur elle. Elle va le trouver beau, intéressant, mais elle reste quand même mal à l'aise face à lui. Elle va sortir avec quelqu'un d'autre, mais Julian ne va pas l'oublier et le drame va se dérouler lors de son premier rendez-vous. Donc son petit ami va être tabassé et elle va être, et Nora va être enlevée. Donc c'est une romance qui est quand même assez dure, très très difficile parce que Nora va se rendre compte que son ravisseur c'est Julian, c'est loin d'être quelqu'un d'attentionné, il va violenter Nora sans état d'âme. Et elle va comprendre qu'il a l'intention de la garder pour lui, enfermée, séquestrée sur une île déserte. Et là, il va commencer à la façonner à l'image qu'il veut, qu'il aime. Et Nora va commencer à apprécier ce que Julien va lui faire. Et là, Nora va entrer dans le syndrome de Stockholm. Ce sera impossible pour elle de s'échapper. Elle va devenir complètement dépendante de lui. Personnellement, j'ai aimé ma lecture. Pour quelle raison? Parce que ça reste une romance et ça reste une fiction. Pour apprécier quand même cette romance, il faut lire les trois tomes parce qu'on va voir l'évolution de la relation entre Nora et Julian. C'est une relation qui, au départ, est très sombre et très négative et très très dure, mais elle va évoluer au fil du temps. Et donc, je vous conseille vivement de lire les trois tomes. Le style de Anna Zeres est très fluide, hein, même si le sujet est dur et difficile, mais ça reste une romance très très bien écrite qui parle quand même de quelque chose de dur. Mais je voulais quand même vous le présenter parce que il faut lire de tout, il faut s'ouvrir l'esprit et je trouve que cette série de Anna Zeres colle bien à notre thème. Lisez cette série, c'est pour des lecteurs bien avertis. Il y a quand même des passages assez intenses. Allez, on passe à un peu plus de romantisme. Condamné à s'aimer de Grace Burrows, c'est le tome 1 de la famille Wentworth. J'aime beaucoup cette romancière parce que sa façon d'écrire est très spéciale, elle est très innovante et ses histoires sortent de l'ordinaire. Et en plus, ce que je vais vous présenter maintenant, l'histoire colle très très bien au thème. C'est l'histoire de Quinn Wentworth, un banquier qui est tombé dans un piège. On l'a accusé de meurtre et il attend sa pendaison. Quand il fait la connaissance de Jane Winston, une visiteuse de prison, elle est enceinte. Et celle-ci vit sous la coupe de son père, un pasteur rigoriste. Et perdu pour perdu, Quinn épouse donc Jane afin de lui assurer un avenir. Et coup de théâtre, il obtient la grâce du roi et hérite en prime d'un titre. Donc le voici donc duc de Walden et nanti d'une duchesse qui attend l'enfant d'un autre. Une femme qu'il ne connaît pas, mais qu'il a désirée au premier regard. L'histoire est vraiment originale. On fait bien sûr la connaissance de cet homme qui sort de l'ordinaire, hein, et qui est loyal, honnête et qui va tout faire pour épouser une inconnue et pour la même occasion la sauver cette jeune femme d'un père complètement défaillant.
J'ai beaucoup aimé ma lecture parce que là, on est face à des circonstances quand même qui sortent de l'ordinaire. Queen était en captivité, il allait mourir, puis du jour au lendemain, il devient duc. Et la relation qui va être établie entre Queen et Jane, comment ils vont se rapprocher et comment ils vont faire pour se connaître et ce romantisme qui va naître entre eux. La lecture est très très belle, la romance est magnifique, donc je vous conseille de lire. Je passe maintenant à une saga longtemps controversée. C'est la série Prince Captif qui comporte 3 tomes. La série de C.S. Pickett. Mais moi j'ai lu plutôt Le Prince Captif l'intégrale. C'est-à-dire j'ai pas lu les 3 tomes L'Esclave, Le Guerrier et le 3e Le Roi. J'ai lu l'intégrale et je vous conseille de faire la même chose que moi. Comme ça vous irez loin dans votre lecture. Alors, c'est l'histoire de Damen, qui est un héros pour son peuple, et le légitime héritier du trône d'Achiélos. Mais lorsque son demi-frère s'empare du pouvoir, Damen est capturé, dépouillé de son identité, et offert comme esclave de plaisir au prince d'un royaume ennemi. Il est beau, manipulateur et mortellement dangereux, son nouveau maître, le prince Laurent, incarne ce qui se fait de pire à Ver. Et pris dans les manigances de la cour, Damen doit s'allier à Laurent pour sa survie et celle de son royaume, sans jamais oublier une règle vitale, cacher sa véritable identité à tout prix, car l'homme dont il a besoin est celui qui a le plus de raisons de le haïr. Donc c'est une saga vraiment addictive qui va déchaîner les passions un peu partout et il y a des gens qui l'ont vraiment attaqué dès sa sortie. Je ne comprends pas pourquoi, parce que ça reste la fiction et c'est une histoire qui m'a beaucoup plu. C'est une romance MM, homo, qui se déroule dans un univers et un environnement terrible, cruel, révoltant. Il y a aussi dans cette saga le syndrome de Stockholm qui va s'installer et qui va prendre la place principale, hein, parce que la romance, moi je trouve qu'elle est secondaire au final, parce qu'on ne la sent pas vraiment au niveau de la première partie du livre, qui est le premier tome si vous voulez. C'est à partir de la deuxième partie, du deuxième tome, où l'histoire commence à être plus intéressante. Et vous allez être happé, attiré par cette relation conflictuelle entre Damen et Laurent. À partir de la moitié ou la fin du tome 1, l'histoire se focalise sur les enjeux plutôt politiques, les manipulations. Mais c'est quand même très très intéressant. Et comme vous me connaissez, j'adore les histoires qui sortent de l'ordinaire, qui sortent des sentiers battus. Donc vous allez être séduit par les personnages. Il y a beaucoup de rebondissements. Et je trouve que l'écriture de C.S.P. qui a été très fluide. On a l'impression d'être avec eux, on a l'impression de vivre toutes les intrigues. Les personnages de Laurent et de Damen sont vraiment très très bien structurés, avec des caractères bien trempés et ils nous ont vraiment promis de très très beaux dialogues, des situations et parfois farfelues, c'est vrai. Mais j'ai aimé le fait que Damen, malgré son esclavage, soit très très fort de caractère et Laurent c'est un personnage qu'on va détester dès les premiers abords mais ça reste quand même une structure d'un duo, de deux personnages vraiment très très bien écrits, très très bien ficelés. Donc je vous conseille vivement de lire cette saga. C'est une lecture d'une romance un peu spéciale qui va vous sortir des sentiers battus. Je passe maintenant à la splendide Catherine Anderson avec Cœur de Comanche, qui est le tome 2 de la série Comanche. C'est l'histoire de Amy Masters qui a fui la fureur du Texas et elle va s'installer dans l'Oregon où elle se croit en sécurité jusqu'au jour où elle se retrouve face à Blanco Lopez, son amour de jeunesse devenu un redoutable combattant Comanche. Il la croyait morte et maintenant qu'il la sait en vie, il exige qu'elle honore le serment qui les lie selon la coutume indienne.
J'ai passé un très bon moment de lecture parce que je connais les personnages du premier tome. Et donc de ce fait, je connais Ami et Banco qui étaient cerf-blanc dans le premier tome. Et de ce fait, donc, ces deux personnages sont vraiment très attachants. Et de part donc, le traumatisme qu'a vécu Ami dans le premier tome, donc la captivité bien sûr d'Ami et tout ce qui s'est passé. Et Cerf-Blanc est lui aussi un survivant, un rescapé, hein, après tout ce qui s'est passé dans leur enfance. Lui aussi est traumatisé par son enfance et il va enfin trouver Ami, il va essayer de la sauver en quelque sorte. L'histoire va évoluer entre eux, leur romance est très très belle et ils vont savoir qu'ils sont faits l'un pour l'autre. L'histoire est très belle donc je vous conseille de la lire. On va finir avec Brenda Joyce et le loup des Highlands. Ça se passe en Écosse au XIVe siècle. Et l'histoire de Lady Margaret MacDougall qui revient dans le château qu'elle a hérité de sa mère. Mais celui-ci est au cœur des convoitises et se trouve assiégé par Alexandre MacDonald, alias le loup. Et déjà fiancée par son oncle à un Anglais, Meg souhaitait rester loyale à son oncle et à ses décisions, mais a bien du mal à ignorer son cœur. C'est une romance agréable à lire. L'écriture est fluide. J'aime beaucoup, moi, Brenda Joyce. Ses histoires sont très profondes. L'intrigue est intéressante. Ce qui dérange le plus, c'est qu'à cette époque-là, c'est vrai que c'est le 14e siècle, donc les filles sont mariées très très jeunes, donc j'ai eu un peu de mal à imaginer la relation entre Margaret et Alexander, mais c'est tellement intense, tellement beau. Allez, lisez cette romance, elle est très belle. Voilà mes chers amis, ma vidéo concernant le thème d'aujourd'hui, héros en captivité, séquestrés ou héros en fuite, arrive à sa fin, donc j'espère que ça vous a plu. Écrivez-moi dans les commentaires pour me dire quels sont les livres qui vous intéressent le plus dans cette liste que je viens de vous proposer. Et vous pouvez me proposer aussi d'autres romances sur le même thème, celles qui vous ont le plus subjugué, celles que vous préférez. Alors mes chers amis, si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous. Et je vous dis au revoir et bonne lecture.